Hey, je suis de retour pour plus d'attente. Et aujourd'hui, c'est bien là qu'on va jouer à Minecraft, parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont demandé. Parce que des fois, ça se peut. Oui, c'est possible que j'écoute qu'est-ce qu'on me dise une fois de temps en temps. Oui, j'en entends rien en ce qui concerne Monster Hunter Freedom Unite. Par contre, mes oreilles sont un petit peu fermées, parce que je me fais toujours spammer par tout. Goddammit! Ma fin, ben... Peut-être, qui sait que ça va être un jeu que je vais faire pendant les... Attends, donc... Jusqu'à quand on va jouer à Minecraft? Eh bien, jusqu'à temps que je perde toutes mes choses et que je pleure, je suis en train de pleurer à terre. Parce que ça va arriver, on le sait tous que ça va arriver à un moment donné. Je sais même pas que je suis en train de foutre. Est-ce que vous voulez que je brise tout cet arbre au complet? Non! Je suis trop lâche pour faire ça. Fait qu'on va aller nager dans l'eau. Parce que c'est plaisant, nager dans l'eau. Ouh, yeah! Ouh, ça rafraîchit la peau! Ouh, yeah. Mais enfin, bref, ça fait un petit moment que j'ai plein de personnes qui me demandent de jouer à Minecraft, de faire quelque chose dans le genre. Fait que je me suis dit, quel meilleur moment pour le faire? Si on veut. Je sais même pas qu'est-ce que je vais faire absolument rien probablement. Détruire des arbres, me faire tuer, détruire d'autres arbres, me faire tuer. Il y avait pas juste un... Il fait juste... Ah! C'est bien cheap, tiens. Tiens, je vais replanter un arbre là parce que ça me tente. Parce que c'est un plaisir de faire ça. Mais aussi, depuis les samedis en direct, que ça fait longtemps que ça n'existe plus. Que j'aimerais ça que ça existe par contre. Parce que c'était le fun quand même. Sauf que je peux pas me permettre de mettre... même si ma limite est rendue plus haute maintenant, je peux pas me permettre d'ouvrir un serveur de Minecraft 24h sur 24 comme je le faisais avant, quand je n'étais pas limité. Ah, oh, c'était le bon vieux temps, n'est-ce pas, petit? Petit tronc d'arbre. Oh, donne-moi des cocos. Des cocos. Oh, yeah, I like that. Coco beans. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je suis en anglais ou juste? On devrait le mettre en français. Je m'en en français. T'as dit une seconde? Suis-je? Je pense que je viens de peser sur mon bouton pour fermer mon ordi. Non, please. Je l'ai juste accroché. Non, ferme pas. Ok, je pense qu'il ferme pas. Est-ce qu'il ferme? Non, ok. Appuyons sur escape maintenant. C'est quoi que je voulais faire déjà? Oh god, j'ai aucune idée. Ah, langage. Oh oui. Oh, tiens. Non, on va juste aller avec... Je pense que français, canadien, quelque part là-dedans. L'ont-tu mis français, canadien? J'en ai aucune espèce d'idée. Français. Oh oui, il est là. Tiens, on va prendre le français. Les traductions peuvent ne pas être précises à 100%. Les traductions peuvent être inexactes. Oh my god, on est tellement différents. Nous autres, on écrit plus long, faut croire. Acceptons ça. Oh my god, c'est vraiment... l'écriture, ça va faire bizarre. Ça fait bizarre, surtout avec l'ombrage. Mais enfin, bref. Continuons de puncher des arbres. Et je devrais peut-être faire quelque chose, genre, j'en ai aucune espèce d'idée. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'avais de planifié? Mais je parlais des samedis en direct qu'on faisait. Ah oui, notre super monde qu'on a jamais fini encore de se rendre dans l'end à la fin. Je penserais pas faire ça là, parce que sinon ça va prendre une éternité faire cette maudite série là. Mais on a un petit peu échoué à se rendre là, surtout parce qu'il a fallu que j'annule ça. Oh, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Non, ça l'est pas. Il a fallu que je diminue la distance malgré que j'ai pas vraiment besoin de... diminuer la distance. Mais j'ai diminué la distance quand même parce que je suis le même. Hey, guess. Oh, des fleurs! Donne-moi des superbes fleurs. On va pouvoir donner des fleurs à toutes les personnes qu'on rencontre, c'est-à-dire personne, parce qu'on va être seul, même s'il y a des villageois. Ok, mauvais piton. Je puis... Oh, j'avais oublié qu'on était Gingerbread Man. Hello! I'm Gingerbread Man. Bite my crunchy brown ass. Enfin, bref. Il semble qu'on peut faire quelque chose. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft, ok? Je pense que ça paraît. Non, c'est pas ça le piton. Oh god, j'ai oublié c'était quoi le piton. Non. Fuck yous. Ok, c'est ça le piton. Yes, on a trouvé le bouton. Yeah. Ok, arrêtons de faire ça. Sinon, j'arrêterai plus jamais de le faire. Si on commence à le faire. Et pourquoi j'ai fait ça? Juste, oh, pour nous faire une superbe... Pourquoi j'en ai foutu deux là? Aucune idée, mais on s'en fout un petit peu. Pour se faire une superbe crafting bench, qui est une table de travail. Yes! On sait qu'on pourrait se positionner pour faire des choses avec les poulets. Je veux faire des choses avec vous autres. Est-ce que vous connaissez les buissons? Puis-je vous introduire à l'univers magnifique qui est les buissons? On pourrait considérer ça un buisson, si on veut, parce que faut de l'imagination un petit peu. Oui, t'as l'air intéressé, toi. Toi, tu t'en fous un petit peu, fait que tu vas mourir plus tard. Mais toi, t'as l'air intéressé. Fait que viens ici, si tu veux bien. Je vais te le démontrer, si tu veux bien. You son of a bitch. Comment oses-tu me regarder puis pas aller dans le buisson? C'est ça, tu y vas dans le buisson? Tu vas y aller, my god. You son of a bitch. Ok, on va prendre celui-là, ça fait pareil. Tu me... Ok,
Je sais pas si tu le sais, mais t'as la tête, là. Oh, désolé, t'es mort. C'est ça que ça fait pour porter attention. Portez attention quand que je parle, ok? C'est très important. Tiens, je t'ai foutu ça dans la face. J'espère que t'es content, mon salaud. J'espère que... Qu'est-ce que je fais, goddammit? Je l'ai dit que ça faisait longtemps. Vous allez me crier après, ok? Juste un petit peu, beaucoup, vous allez me crier après. Pourquoi je me fais une pickaxe? Parce qu'on va aller miner des choses. Oh, il est en train de sauver. Hey, 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 mon cher. On ne peut pas s'enfuir de mes histoires très intéressantes. Certainement pas. Surtout pas des histoires de buissons. C'est ça que ça fait, s'enfuir. Oh, 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 il y en a un qui est parti. Il était où, celui qui était sur l'arbre? Où es-tu, mon salaud? T'étais supposé être ici. Oh, je vois ton œuf. J'ai ton enfant en otage, mon cher. Ma chère. Parce qu'il n'y a pas vraiment une coque. On va dire que c'est une coque-poule. Oh, c'est qui est rendu. Faut le trouver, le salaud. Tu peux pas t'avoir enfui de moi. Oh, 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 je crois te voir, mon cher. Tu pensais t'enfuir. Est-ce que tu veux écouter mon histoire? Est-ce que tu es figé sur place, mon cher? Tant mieux, on va faire un test. Non, t'as l'air d'être en vie encore. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oh, il est retourné là. T'as des belles pattes. J'ai jamais regardé vraiment les pattes. Ouh. Ça fout un petit peu. Bon, t'es intéressé par mon histoire. Voici un... Oh, c'est un pissenlit, galon. Voici un pissenlit. Tu sais qu'il y a plein de personnes qui sont... Il peut intéresser par mon histoire. Il peut intéresser... Je voulais te raconter une superbe histoire où c'est que le pissenlit tuait tout le monde. Mais ça a bien l'air que non. Il voulait pas écouter mon histoire. Personne veut écouter mes histoires. Quand j'ai même pas le temps de les raconter, on va aller se creuser un trou. On va aller creuser quelque part. Ne pas creuser comme un stupide. Trop tard. Je vais me créer une grotte. Non, en fait, on va chercher une grotte parce que ça me tente pas d'aller là. Il doit bien y avoir... Ouh! D'autres amis! Oh, yesh! Vous autres, êtes-vous intéressés par l'histoire de comment que j'ai fait un génocide de poulet? Hein? Hein? Je pense que toi, t'es intéressé. Tiens. Non? Non? Ça t'a pas intéressé? Bon, ben, fuck you. Je m'en fous un petit peu. Vous me faites penser, quand vous faites des mous au chameau de Parasite Eve, gang de salauds. Comment osez-vous faire ça? Oh, oh, il a l'air d'avoir un trou, là. Intéressant. Sautons dans l'eau. Oh, toujours plus de choses étranges ici. Très étrange. Très, très étrange. On va pas y aller parce que c'est trop étrange. Pas vraiment, mais c'est pas... J'ai besoin de me... Aller ici. Je suis pris comme un stupide. OK, allons-y maintenant. Ah, il y a vraiment... Oh, c'est vrai, il va falloir qu'on trouve... Bon, il faut que je cueille des cobblestones de toute façon. Parce qu'on les cueille, on les mine pas, voyons donc. Je les cueille avec ma main. La maudite pickaxe en bois. On va s'en débarrasser bientôt. Je l'avais-tu brisé? Je pense que oui, vu que ça m'a tombé dans la face. Attends une minute, on va aller voir si c'est vraiment une bonne... Ouh, en fait, quand on n'aura pas besoin de charcoal. Dommage, parce que j'aime ça dire le charcoal. Mais coudonc. Ah oui, oh, on est rendu qu'il y a de l'expérience quand on mine du coal. C'est vrai, j'avais complètement oublié. C'est... Non, mon cher, tu viendras pas m'agresser. Je sais que tu veux juste ça, surtout si je me penche de même. Puis là, je dis... Oh! Il y a un savon à terre! On va le prendre! Oh! Non, non. Ok, non. Ça ne l'a pas attiré. Tant mieux, j'ai eu peur pendant quelques secondes. Qu'est-ce que je voulais faire? Oh! Allez, me créer quelque chose. Ah, ben, on va se faire une fournaise aussi, juste pour le fun. Et ça m'a l'air que je vais me créer une maison où c'est que j'ai fait le génocide de poulet. Parce que c'est bien faire des génocides de poulet. Surtout quand ça peut nous donner plein de bouffe. Mais là, je suis en train de me demander, je devrais continuer de cueillir du coal. Parce que je vais en avoir plus de besoin que 5 si je pourrais faire cuire mon poulet. Mon bon poulet qui n'a pas voulu écouter mon histoire superbe, intéressante. Enfin, mon histoire. Oh, peut-être que je vais pouvoir la raconter aux zombies. Hey, je sais qu'on voit rien, ok? Ceux qui sont... Attends une minute. Option. Où est-ce que c'est cette maudite affaire-là? Paramètre graphique. Luminosité. Tenez, je sais pas si à 50% ça va changer quelque chose pour vous autres. Moi ça change quelque chose. En fait, on pourrait le monter dans le fond. Fuck that, tiens, on va monter ça dans le fond. Peut-être que ça sera même plus intéressant, mais c'est pas grave. Oh, nice, je vois qu'est-ce que je fais. C'est tant mieux. Bonjour Cole, I love you. On va briser notre pickaxe, pourquoi pas. Je sais que c'est très intéressant de regarder quelqu'un miner. Moi je trouve ça intéressant. Ouh, comment de temps qu'il va l'avoir? Est-ce qu'il va l'avoir? Oh non, il a miné à côté. Oh non, il mine encore à côté. God, oh, il est tellement stupide de faire ça. Et non, je ne fais pas de partie en multijoueur en passant. Faut que je le mentionne pour le... Attendons, je fais ça tout seul parce que je sais pas quand je fais mes vidéos justement. J'y fais un petit peu n'importe quand, je sais pas quand je finis de travailler. Je sais pas plein de choses, ok? C'est pour ça. Fait que je peux pas vraiment aller en multijoueur parce que sinon je vais être tout seul de toute façon. Parce que personne va s'en attendre. Et la majorité d'entre vous sont
bon avec le temps français. En tout cas, il y a des Québécois aussi qui regardent et je sais que j'ai une mariée qui pourrait joindre. C'est très bien. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est jamais à la même heure. Fait que c'est ça qui est ça. Je joue tout seul à la place. Oh my Jesus! Comment oses-tu venir m'agresser dans un coin? C'était lui qui voulait m'agresser pendant que je regardais ce savon. Oh non! Ok, j'étais un petit peu pogné. Fait que je te demanderais de sacrer ton camp juste là. Ok, merci. Et ah, you son of a bitch! Non, non, don't kill me! Don't kill me, please! Ah, j'ai eu 31 points quand même. Ça commence très bien. J'essayais de le cacher dans le coin pour pouvoir m'enfuir. Attends une minute, où c'est qu'on est rendu? Où c'est que j'étais parti? J'en ai aucune idée, j'étais concentré à parler. Oh, on était parti dans l'eau. Faire une superbe promenade dans l'eau. Est-ce que je veux... Oh, c'est là qu'on va connaître si j'ai un bon sens de l'orientation. Ce qui est... Des fois oui, des fois non. En fait, une rose! On a besoin de notre rose. Vite, allons chercher la superbe rose. Je vais la garder jusqu'à la fin. S'il y a une chose... Oh non, il y en a une là. On va laisser celle qui est en dessous de l'arbre parce qu'elle a l'air d'être bien. Puis on va garder ce coquelicot-là qui n'est totalement pas une rose. Mais c'est à cause que c'est français-canadien que c'est un coquelicot. Ok. Ok, gotcha, gotcha. I see you. Hello. Veux-tu savoir l'histoire de comment j'ai trouvé mon coquelicot? Eh bien, il se trouve que j'ai commencé à marcher, à sauter et à aller dans l'eau. Pis 3 secondes plus tard, je massacre. Ok, je suis en train de monter dans l'arbre comme un salaud. C'est comme ça que l'histoire se déroule, mon cher. Ok, t'es très intéressé, t'es pas mort? Là, tu l'es, par contre. Merci pour ça. Oh, il faudrait que je me dépêche un petit peu plus à aller chercher mon stuff. Oh, voici notre crafting bench. Ce qui est nice, on va aller dans la caverne. Ou c'est que c'était pas vraiment une caverne parce qu'on n'était pas rentré dans la caverne. Mais il y a un squelette qui nous attend là. Peut-être que si on a un coquelicot, il va nous... Ah non, c'est vrai, il voulait déjà nous agresser. Mais pourquoi il nous a tiré une flèche dans la face si c'était pas... Ah! Nécrophile! Ça fait du sens, c'est Hamlet! Oh my god, j'aurais dû m'en douter. Ok, enfin, bref. Espérons que ça ait plus là. Que ça ait disparu. Qu'il ait fait qu'est-ce qu'il avait à faire avec mon corps et qu'il est parti. Oh non, il est pas parti! Oh god, oh god, oh god! Pourrais-tu mourir, s'il te plaît? Non, merci, merci, merci. Ok, ok. C'est à mon tour de faire des choses à ton corps. Non, enfin bref, son corps a disparu, malheureusement. Malheureusement. Non, pas malheureusement, mais voyons. Heureusement. Enfin bref. Où est ma pickaxe? Ok. Oh, je pense que ma flèche est très bien placée. J'en ai une dans la jambe aussi. Nice, nice. Ça me fait une... Comme si j'aurais des cheveux, j'aurais une queue de cheval en arrière. Je suis stylé maintenant. Mais qu'est-ce que je voulais prendre au juste? Bonne question. Ah, pickaxe. Mais j'ai plus de pickaxe. Fait que fuck me. Fuckity me. On va monter là. On va aller retourner à notre crafting bench et faire plein de choses. Il y a des chauves-souris maintenant. Il y a des Bruce Wayne maintenant. Oh god. Oh god. Non. Pourquoi il y a des Bruce Wayne dans tous les fucking jeux qu'on joue jusqu'à présent? C'est quoi cette affaire là? Je savais même pas qu'il y en avait dans celle-là. Qu'il en avait rajouté. Et pourquoi il y a une armée de squelettes là-bas? Bonjour, vache. Pourquoi tu... What? C'est quoi tu fais? What? What? Tu veux un câlin? Ok, tiens, voici ton câlin. Normalement, je suis plus affectueux, mais ça m'a l'air que je ne suis pas avec vous autres aujourd'hui. Il me voit pas. Chut, chut, oh fuck, il m'a vu. Ok, allons nous cacher quelque part. On est la nuit et je suis en train de marcher dehors. C'est une très bonne idée. Nice, pas mon chat. Je pense que je vais me faire une épée juste pour être safe. Let's make a... What? Pourquoi ça l'a planté un petit peu? Pourquoi je fais ça de même? Oh, une pelle! Ça fait très efficace la pelle. God damn it! Pose ça de même, pose ça de même. J'ai aucune idée qu'est-ce que je fais, mais c'est pas grave. Coquelicot, tu vas rester dans mon inventaire, certainement. Et on va se faire d'autres bâtons, parce qu'on aime ça, se faire 4 bâtons. On aime les bâtons. On aime de le dire le mot bâton. Et je devrais pas faire ça de même. Pourquoi je me suis fait en bois? J'en ai aucune idée, parce que je pense pas, faut croire. J'aime ça, pas penser. Je devrais apporter ma crafting bench avec moi. Fuck that. Pourquoi la laisser ici? J'en ai aucune idée. Ce n'est pas... une bonne idée. J'ai entendu quelqu'un faire un soupir à côté de moi. Ça me dérange pas, il y a des buissons ici. Il n'y en a pas mal plus que tantôt, des buissons, en fait. Fait que c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on devrait laisser le coquelicot avec les superbes herbes, les superbes buissons? Il a l'air de me dire oui. On va faire un sondage. Est-ce que je devrais installer ma maison ici, mon cher? Je pense qu'il est en train de vouloir me dire oui. On va voir ça, on va attendre. Yes, yes, t'as pas besoin de te rapprocher, je t'attendais de loin, on a juste à crier! Hayes! Comment ça va, mon cher? Tu veux faire un câlin? T'as l'air à ça, tiens, c'est ça que je suis en fait, ton fucking câlin! En fait, je le veux. Et attends, on va se faire un câlin. Ouh, yes, ça fait bien. Maintenant, tu vas mourir, parce que je suis cruel de même.
Je t'ai posé une question, t'as voulu me répondre, puis je t'ai tué. Mais j'ai pris ça pour un oui. Fait que merci pour m'avoir répondu. Fait qu'on va faire une maison ici. Ça a bien l'air pour être en sécurité la nuit. En fait, j'ai même pas besoin de maison. Pourquoi une fucking maison avec un coquelicot dedans? Tiens. Attends une minute, là. Ça va être la plus belle maison que vous avez jamais vue au... jusqu'à présent, ok? On va le faire, la meilleure maison au monde. Comme toutes les maisons que j'ai faites dans le multijoueur. C'est-à-dire aucune. C'était tout le temps les maisons des autres que je volais. Chut, faut pas le dire. Faut pas le dire, non. Oh, oh, on peut, on n'est pas obligé de briser ça. Oh, c'est bien à savoir, c'est bien, je m'en suis rendu compte tout de suite. Ah, ok. Ok, on va faire la maison que personne voudrait vivre, que tout le monde voudrait vivre dedans, voyons donc. C'est ça que je voulais dire. Évidemment, voyons donc. C'était magnifique. On va laisser ça ouvert parce que c'est une belle fenêtre, je trouve. Très belle fenêtre, en fait. Tenez. Voici la meilleure maison au monde qui vient de se bâtir. Non, je vais pas mettre ça là. Ben, fuck that, on s'en fout un petit peu. Meilleure. Ah fuck, j'ai pas pu la finir à part de ça. C'est pour ça que je l'ai faite petite, pour pouvoir la finir. J'ai même pas été capable de le faire. Bon, mais fuck that. Allons explorer la superbe caverne. On en fait... J'ai juste 3 bâtons. Ben, on va les utiliser, les bâtons. Yesh. 12 torches. Tant mieux, j'ai augmenté la luminosité. Pas vraiment besoin de torches, en fait. Mais c'est pas grave, on va les utiliser quand même. Je sais même pas combien de temps ça fait que j'enregistre. Ce qui n'est pas bien. Il aurait fallu que je regarde avant. Est-ce que c'est toujours utile à regarder qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas, vache? Va falloir que je te raconte une histoire, vache. Une minute. Une seconde. On va se faire une belle soirée à la chandelle. Parce que c'est la Saint-Valentin, on va dire. Bientôt, par contre. Oh, bonjour. Hello. Et je vais avoir une soirée très romantique. Enfin, bref. Bonjour, mon cher. Ok, t'as l'air intéressé par mon histoire. Fait qu'on va commencer tout de suite. C'est quoi qui a fait ce bruit-là étrange? Ah. Pourquoi tu me montres tes pieds, machin? What? C'est quoi qui fait ce bruit-là? J'en ai aucune idée, je me rappelle pas d'un bruit de même. Mais enfin bref, voici l'histoire qu'on attendait tous, petite vache. Oui, oui, t'as recommencé à être intéressé. C'est pas parce que t'as un œil à gauche de même. Enfin bref, je commencerai pas à t'insulter parce qu'il y a un creeper là-bas qui a l'air très intéressé par mon histoire. God damn it, c'est quoi ce qui fait ça? J'ai peur, vache! Help me! Enfin bref. Il était une fois un petit gars qui marchait dans... Fuck you, Jesus, maudit bruit! Qui marchait dans le bois avec son ami... Jesus! Il est pas intéressé par mon histoire. Il veut que je m'aille à la ferme. Ok, t'es mort, mon chat. Oh, nice chat. Viens t'en tenailler avec moi. Tu vas voir que le petit gars et son ami Phil vont te tuer, mon cher. Enfin, non, please, don't kill me. Please, die. Ok. Merci. Ah oui, c'est ça, je voulais me faire une fournaise, gars, je l'avais complètement oublié. Mais c'est pas grave, faut continuer notre superbe histoire avec le petit gars qui marche dans le bois avec Phil. Ok, vache. Pourrais-tu t'en venir ici, s'il te plaît? Attends une minute, on va juste rapporter ça. On entend encore le bruit. Ok! Non, mange pas l'herbe, moi. Non, regarde-moi pas de ma... Non, viens pas m'agresser! God! Ok, faut pas briser les buissons, je le sais. Mais enfin, bref. Voudrais-tu juste reculer un petit peu parce que ma torche est là? Ok, comme ça, c'est perfect. Voici l'histoire du petit gars, parce qu'il y a pas de nom, ça a bien l'air. Et Phil, qui marchait dans le bois. You! Je peux-tu la raconter? Ok, bon. Ok. Il marchait dans le bois jusqu'à temps qu'il raquit que... Fuck, j'ai tout manqué mon chose. Parce que tu t'es tourné pour pas regarder. Ok. Faut que je trouve un nom au petit gars parce que ça marche pas. Ok. Jib et Phil se promenaient dans le bois. Jusqu'à temps qu'ils rencontrent un buisson à leur droite. Quand ils ont vu le buisson, ils savaient très bien qu'est-ce qui allait se passer. Fucking vache. Hey! Mon histoire est très intéressante, you son of a bitch. Il y avait des vaches impliquées dans l'histoire si t'avais continué. Il y a un buisson et des vaches et Phil et Jib qui faisaient des ch... Never mind! Let's get out of here! Fait que mon histoire devienne plus étrange. Et comment rien faire dans Minecraft plus que normalement? N'est-ce pas? Niaiser avec une vache. Toujours bien. Ok. Ah oui, fournaise. On va se faire une fournaise ici. Si j'ai mes cobblestones encore. Oui, j'ai les ok, tant mieux! Et on va pouvoir... cuire du poulet. Et j'ai encore une superbe flèche en même place que j'avais tantôt, n'est-ce pas? Non. Ou peut-être que oui, elle vient juste de disparaître. Fait qu'on a une superbe fournaise. On va foutre des coals dedans. Et on va foutre du poulet dedans. Puis on va faire... Je veux du poulet. Je suis un biscuit, mais je veux du poulet quand même. Ok, pendant que ça fait ça, eh bien, on va aller explorer la superbe caverne. Ouh, coal. I want you.
Here with me. Ne recommençons pas la chanson de... Ah oh oui, c'est vrai, je l'ai pas mis public, cette vidéo-là. Mais si vous m'avez sur Skype, vous l'avez vu. Je sais pas combien de temps ça va durer, cette affaire. Le parti comme c'est parti, ça va pas durer longtemps parce que je vais probablement mourir bientôt. Je sens que je suis sur le bord de pleurer. Parce que je vais avoir tout... Ouh, High Run! Avec un super pénis vert en bas, ce qui est bien... Oh, il s'en vient nous voir, le super... Non, please, non, je t'ai pas... Ok, t'es pas... Non, je pense qu'il a pas compris encore, je m'enfuis. Oh, High Run, I love you, I want you, here with me, God! Faut tout le temps que je fasse ça. Ok, il protège son Cole. Est-ce qu'on devrait essayer de le tuer? Réponse est non. Fait qu'on va aller rechercher notre... Oh, fuck, je me suis perdu. C'est pas bien! Et ça me semble très tentant de continuer de creuser le superbe carré ici, même s'il n'y a absolument rien. Je suis sûr qu'il n'y a absolument rien, mais ça fait une belle cheminée. Je sais pas pourquoi je pensais à une cheminée. Mais enfin, bref, lumière! I love you, light! Ah, ça doit être par ici qu'on est arrivé. God! Je me suis perdu assez facilement, n'est-ce pas? Ah oui, je me reconnais maintenant. Ah non, fucking chien qui arrête pas de japper partout! Ça n'est pas bien! Ok, donne-moi quelque chose de bien. C'est-à-dire, tout, qu'est-ce que tu as? On a du poulet maintenant. Mange le poulet. Ok, et je pense qu'on devrait être correct comme ça, ou pas. Pourquoi il me reste toujours un demi? Ah ben, notre vie se remplit, fuck that. Allons à la chasse au creeper, au pénis vert. God damn it. C'est-tu par là que je t'ai allé? Oui. Parce qu'il y a de la lumière, maudit stupide. Pense pendant une seconde, pense. Oh, fuck, non, c'est pas par là. Oh, je suis capable de courir, ça vient l'air. Ah oui, il est plus là. C'est pas bon signe. Il doit se cacher quelque part. Ah, il est là. Il nous a vus. Eh bien, tu vas mourir, mon cher. Désolé pour toi. Explose-toi. Ok, t'as explosé. Mais c'est pas grave. Ça fait de l'exploration. Et pourquoi ça a planté pendant une petite seconde là-dessus? J'en ai aucune idée. Donne-moi du fer. J'ai comme l'impression qu'on va se faire agresser bientôt, encore une fois, par un superbe squelette qui aime ça qu'on se penche. Si je me penche... Je suis penché en ce moment. Oh, on peut pas se pencher pendant qu'on est dans le menu. C'est dommage. Oh, je le savais si je me penchais. Une chance que je me suis tourné. Salaud, t'attendais juste ça. T'attendais moi, m'agresser. Tiens, salaud, je voulais m'agresser. God damn it. God fucking damn it. Merci pour le faire. I love it. Est-ce que je devrais manger encore une fois? I don't know. Alors. Bruce Wayne! Chut. Faut passer à côté sans le réveiller. C'est Bruce Wayne. On a hit. Ok, je pense qu'il est parti. Non, viens t'as pas ici, Bruce Wayne. Je sais pas si t'es méchant ou pas, mais je m'en fous. Je veux même pas te voir à la face. Ok. J'espère qu'il va pas me chier un pic à la tête encore une fois. Tu me regarderas pas comment je fais une course. Peut-être que je pourrais être en train de faire une course. Est-ce que je devrais... God, je pense qu'il faut que je finisse la vidéo tout de suite parce que... Oh God, que je plante. C'est pas bien. Peut-être que... Ok. Dans la prochaine vidéo, on va aller affronter Bruce Wayne et continuer l'exploration de ça. Et peut-être faire des choses avec les fives du cacao. Jamais on fera quelque chose avec ça. Jamais. Enfin bref, merci d'avoir regardé et bye bye!